Bonjour tout le monde, bienvenue sous Palmis ak ma pou la kay. Je dis à nous venir annoncer ou gagner une grosse décision qui fait que saute prend au niveau du Sénat américain, une décision effectivement qui pourra gagner un impact majeur sur ensemble de programmes Biden, en fait tout ensemble de plans que Biden va proposer. Ou vous aurez ou bien pour capable comprendre ça que nous pral expliquer ou là. Pas oublier ou même qui t'a passé pas bon ici là pour première fois. La même important pour justement pour peser bouton subscribe pour capable rester connecté avec nous. Qui ça lié? La vérité, je voulais rappeler nous que nous avons un système démocratique. Ou gain présidence, ou gain le Sénat mais style ou pas qu'a fait ça vous ou supposé agir suivant la ça la loi dit. Et gagner au niveau du Sénat des séries de instances qui c'est des experts yo a politique yo pa gen kan yo pa ni démocrate ni républicain yo même yo occupé aspect technique dans loi des fois c'est eux même qui checker ça ne relé légalité de une action que you nan parti yo ta vle pran. Et c'est ainsi que Schumer li te mande sa nou rele yo rele concept parlementarien nan gen des décisions yon leader en majorité se li yo pou bay approval yo pou di OK tel approche tel action que nou vle li conforme avec sa maman loi pays a ou bien sa procédure au niveau du Sénat. C'est ainsi que Schumer te mande parlementarien nan est-ce que li capable fait yon deuxième budget de réconciliation. Parce que li clair pour tout le monde que ces messieurs républicains yo pas sous route pour quitter démocrate yo réaliser rien avec support yo. Donc action yo yo ta résumé à qui ça avec même ça saute fait pour COVID-19 nan côté que yo t'est passé par un budget de réconciliation. Donc, yo mande parlementarien nan al gade puisque son instance indépendante dans Sénat si yo gen autorité pouvoir pour yo passer yon lot budget de réconciliation dans même année fiscale là. Et bien jodi a parlementarien nan prononcé li di oui, l'illégal le Sénat capable passer 2 3 4 autant de budget de réconciliation au cours de l'année fiscale. Sa décision ça avle di. Décision ça veut dire que démocrate yo jounen jodi a yo pas besoin pour y attendre juste mois d'octobre côté qui pour aller en l'autre année fiscale pour y aller passer un autre budget de réconciliation. Eh bien y a capable justement passer un budget de réconciliation. Ça va permettre que différents projets que yo gagne qui allait dans sens ça pour aller passer. C'est une gros victoire et c'est gros causé moi bon garantie décision ça bay en pile républicain gros gorge. Nous connaît yon nan plan ka parler là c'est infrastructure. N'a parlé en pile commun. N'a parlé de 2.9 trillions de dollars et déjà ma connaît pas même réfléchi. Li dit même pas pas avec. Li pas même négocier pour le dire et qui m'a dit ça, tel il dit non, il pas backup. Catégorique. Donc, li vle dit que monsieur démocrate yo gagne une seule option. C'est gonfler point et entre même entre 50 sénateurs pour y faire plan infrastructure ça a passé. Parce que ça qui passe au niveau de l'infrastructure. Républicain dit OK, on parle d'infrastructure, on parle de monde. Et Biden vient avec un concept de infrastructure humaine. Même gens nous songer en fait, nous faisons comparaison lorsque Aristide a parlé investi dans l'humain. Bon, bien que son l'autre causé. En gros, le concept de Biden, là on parle de développement infrastructure, ou pas si vous posez ouais, seulement route, pont et communication aérienne, communication routière, internet et autres building, mais il parlait de infrastructure humaine moun yo tout. Donc c'est ainsi ou formation ou expliquer ou community college ou ensemble de bagages qu'on ouais. Donc pour monsieur républicain yo, c'est trop comme vous comprenez qui yo va dépenser nan moun ba ça yo, c'est pas cause infrastructure qu'a régler là. Donc nèg yo pas de sortie pour yo aller dans ça. Donc ça nous voulait ou comprendre que décision qui prend là, c'est pas une grande première d'ailleurs. Ça va le dire. Ça va le dire que c'est pour la première fois que nous allons joindre le Sénat qui pourra le passer 2,
fait, sur route, nous prenons là deux budgets de réconciliation pendant une année fiscale. Donc, c'est une véritable stratégie côté que vous êtes capable de moving forward avec sa notaire les politiques prioritaires avec une simple majorité sans avoir besoin en quel républicain. Joe Biden finit par comprendre que li pa ka nan chita tann. En fait, yon nan erreur parce qu'il était avec Obama, il était rejoint avec mes stop li tout le temps de négocier, puis pa ram ganyen. Et puis y a mes stop ou. Certes, nous besoin faire négociation, mais les pa ganyen, agi pour compte nous. C'est ça qui a passé là. Et maintenant, tout le monde a parlé, détail yo, poko. Clé, l'en dit ça, il est détail. Détail c'est aspect technique. Yo simplement dit, yo ka fait. Donc, yo même yo pral. Réarranger yo pour yo connait qui j'en pour aller dans les détails. Bah y toujours une bonne bagaille cap fait et pas des mien nous pas vraiment connait aspect, tout aspect technique yo, c'est pas job, pas mais c'est pas même job chômeur même qui j'en yo pral parce que yo gen doit un projet de loi, c'est comme quoi m'dadou ou bâti un programme écrit texte et puis gon ingénieur software qui pral coder. OK, donc détail yo c'est qui j'en yo pral coder pour entrer là quatre budgets de conciliation. Hein. Ça, c'est messieurs et en droit. Ils ont un aspect comptable, ils ont un aspect juridique. C'est eux-mêmes qui connaissent qui gens que ils ont pris l'entrée. Mais parlementaire, non. Et lui dit, lui correct, l'idée c'est qui ça? Lui demande tout simplement, on va réviser budget résolution. Ça veut dire, c'est comme quoi on budget de conciliation fait. Maintenant, on va le réconcilier là et on va réviser résolution. Son révision et pour tout rentrer sur besoin. OK? Et donc, il y a un ensemble de paramètres que vous pouvez gagner pour votre travail. Et il y a un ensemble de paramètres qui peuvent entrer, mais nous voulons comprendre que c'est une grosse route qui ouvre pour 2 trillions d'infrastructures propositions que vous avez mis dehors semaine qui se passe là. Et maintenant, il faut nous d'accord tout. Que yo pral gagner tout comme toujours, c'est dommage de le dire, ou toujours gagner des démocrates au milieu que on a besoin de négocier avec. Le nom de Joe Manchin a toujours vinn sous table là parce qu'ils sont modérés, donc l'a toujours mandé une sorte de compromis avant le bail grain vote pas là. OK, ça passe. Donc ça table dit et Joe Manchin lui-même ça a demandé, lui mandé pas oublier que et désaccord en fait que le gain c'est rapport avec taxe à mettre sous gros compagnie que Biden dit il va le passer de 21 à 28. En fait, tout le temps de monsieur qui a parlé là, monsieur t'a avlé de préférence pour t'a fait le passer à 25. Vous comprenez? Pour t'a fait le passer à 25, pour t'a mettre 4 simplement. Bon, nous connaît que républicain pur yo pas d'accord avec ça même. Définitivement, ou t'a senti dans Joe Manchin son nèg qui mi démocrate mi républicain nan mi temps. Mais dans ma PC, moun yo comprenn Joe Manchin, c'est pas mi démocrate, son démocrate li. Même ta vle nous comprendre que toute action Joe Manchin yo vini à partir de côté le sorti. Chaque fois Joe Manchin a agi, songez bien li sorti dans West Virginia. OK? Yon state qui en majorité républicain, ils sont démocrates. C'est ça que l'a fait toute coup de plume ça yo, c'est pour protéger tête li, pour protéger job li, pour pas cap pour ka remonter encore. Donc c'est ça qui explique ouais, les monsieur a fait coup de pique ça yo. C'est juste pour le capabilité. Bon, en tout cas, monsieur lui-même lui t'a demandé pour ta passer à 25. Bon, le bagage dernier mot, l'elle dit 25, ça qui arrivé en guise de 28 ou elle dit au bon 26 ou au bon 27, whatever, puisque c'est sa négociation et l'on va négocier avec collègues. Mais c'est façon pour dire que Joe Manchin pesait lourd dans plusieurs décisions, puisque démocrate est coincé, il faut rejoindre tout le monde. C'est ça que fait de dire. Si démocrate était même avec républicain qui était 52, 53, il y aurait plus marge de manœuvre, mais là, il y a 50, il faut rejoindre tout le monde. Donc obligé de négocier, d'où l'influence, d'où le poids. Le poids de Joe Manchin dans des décisions et d'envergure qu'a fait là. Donc ça veut dire là, décision parlementaire n'en prend je vous dis à vraiment c'est un breaking news. C'est vrai permettre les démocrates sorti big package. Vous comprenez? Li capable sorti là en petit morceau tout. OK? Qui va le rendre li facile pour passer et des éléments d'agenda yo. OK? Et donc
Voilà et information qui sorti pour jeudi lundi a ça nous relé nous va un spécial budget maintenant et en pile monde capable dit bon est-ce que qu'on est là et d'autres projets et l'autre projet que nous pas passer par ça nous relé budget de réconciliation et pas parce que fond clair pas tête nous menti d'ailleurs ouais c'est ça fait infrastructure là après capable c'est pas budget parce que nous parler infrastructure dépenses investir pour investir dans le monde mais pas toutes les fois que c'est dépenses ou bien achat de l'état là on prend des projets tant qu'au immigration pas ba tête ou menti et on va besoin même al try pour demander est-ce que ça ca passer par budget de conciliation et loi immigration pas grand aucun rapport avec budget OK so basically on va l'obligé faire face avec 10 sénateurs pour passer ou encore et c'est point d'interrogation hein? Est-ce que finalement Joe Manchin pral mandé en fait pral d'accord pour yo éliminer filibuster là. Yon bagay que moi même pas ka promettre nous parce que là on attend de Joe Manchin qui a parlé monsieur pas beaucoup prêt pour retirer filibuster là. Combien de temps? L'indication l'autre bagay combien de temps? Combien de temps? Parce que dernièrement le deal il pense il est arrivé faut une décision qui prend. Il a constaté ça qui a passé sous frontière là. Il est clair que le pays a besoin d'une immigration reform, mais il est clair tout que c'est politique qui a fait. Il est clair que pas un déterministe que nous non science politique non pas dans science exacte. Donc c'est un dossier qui a continué pour tout le monde qui toujours regarder nous qui espérer capitaine qui est par exemple a bail TPS pour tout haïtien qui est a bail tout le monde papier résident mais dans ça nous voulons comprendre c'est politique lié c'est en fait alors les termes sont jeu d'échecs lié bon ensemble de variables gain temps tout toujours abdou ça le temps. Le temps son bagage qui est important en politique. Mais ça pour comprendre là et ça Joe Biden a essayé faire là, c'est marqué point à ça que le connaît le cap passer facile avec démocratio tant que coronavirus relief là qui se voyer comme tout le monde ensemble de bagage, marquer des points positifs au lieu que pour aller bataille pour bagage qu'on est cap prend temps, alors il faut commencer à délivrer on va créer job. OK. Donc très certainement, j'en ai dit où, je t'ai dit mois d'avril c'est moi, côté que le Congrès pourra l'aborder, le dossier de l'immigration, on va suivre, bien entendu. Mais nous voulons dire que c'est une bataille qui a taille et que nous-mêmes nous suivons toutes les dernières updates pour que nous soyons capables de porter le barreau. Mais entre-temps, nous pensons que c'est un. Ça nous relève et mouvement ça avec nous pour le faire là. Extra filobuster. OK? Nous pourrons le l'autre filobuster. Et excusez-nous. En fait l'un dit bon carré ou l'extra filibuster proof c'est dans le sens que ou pas besoin 10 sénateurs démocrates là on fait budget de réconciliation c'est une très belle opportunité et que démocrates ont là et que nécessairement qu'il va aller et justement jouer sous lui. Donc voilà guys on t'a voté d'être ça au bout, c'était un véritable plaisir. Pas oublier avant aller faire geste, apaiser bouton subscribe là sous votre coffre pour capable rester connecté avec nous. Bye bye tout le monde.